Hello à tous, c'est Louisa, j'espère que vous allez bien. Vous regardez Midi Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Pauline qui est campus manager au sein de Forestia Group et qui va nous dire comment rester à l'écoute d'opportunités en cette période un peu particulière. Hello Pauline! Salut, ça va? Mais ça va bien et toi? Très bien, merci. Alors je vois que tu es de retour au bureau, comment ça se passe? Tout à fait, là, depuis hier, je suis retournée dans les bureaux chez Forestia. Et voilà, ça fait super plaisir de revoir nos collègues malgré qu'on doit être masqués. Mais ça fait vraiment super plaisir de les voir parce que le télétravail, c'était très sympa, mais ils m'ont quand même fort manqué. Donc, toujours très chouette de revenir au bureau. Je comprends. Alors aujourd'hui, tu vas répondre aux questions des étudiants, mais tu vas aussi nous dire comment rester en éveil et à l'écoute d'opportunités. Pour ça, tu vas me donner les clés, mais surtout tes conseils pour savoir s'il faut en faire plus en cette période et si oui, comment. Comment utiliser son LinkedIn pour l'optimiser et mettre à jour son profil, mais aussi comment sortir du lot dans un environnement concurrentiel. Avant cela, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de Midi Expert, de tutos, de tips, de conseils, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Avant de parler d'opportunités, Pauline, est-ce que tu peux nous parler de toi et nous raconter ton profil académique, mais aussi pro ? Oui, bah du coup, moi, bah, je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans, donc je suis d'origine belge, donc j'ai commencé mon parcours scolaire en Belgique. Je suis ensuite partie, après ma terminale, faire une année de prépa à Cambridge pour apprendre l'anglais. Et ensuite, je me suis lancée dans des études de communication donc à Bruxelles. Pendant mes études de communication, j'ai fait un stage dans un département RH, dans une entreprise qui s'appelle Exki, qui fait de la restauration rapide. Et puis, j'ai aussi fait un Erasmus à Rome pendant ma licence. Et à la suite de ma licence, je voulais me spécialiser en RH. Donc, du coup, je me suis un petit peu renseignée sur les différents masters. Et je ne connaissais pas le principe d'alternance parce que ça n'existe pas en Belgique. Donc, du coup, je me suis dirigée vers un parcours ici à Paris pour pouvoir faire une alternance. Donc, je suis en master 2 actuellement. J'ai fait un stage l'année passée en recrutement chez Manpower, donc une agence d'intérim. Et maintenant, ça fait un petit peu moins d'un an que je suis chez Forestia en alternance. Donc Forestia équipementier automobile et je me charge du coup du recrutement des stagiaires et alternants, de la marque employeur et des relations avec nos partenaires. Merci Pauline. Les premières questions d'étudiants qu'on a reçues, c'est comment rester positif et productif dans notre recherche d'emploi, donc stage, alternance, premier emploi, malgré le contexte actuel. Mais il n'y a pas de raison d'être négatif parce que voilà, malgré le contexte qui est un peu compliqué, les entreprises n'ont pas fermé, elles continuent quand même à fonctionner. Donc, du coup, elles vont continuer à recruter parce qu'elles ne pourront pas se passer de stagiaires et alternants du jour au lendemain, elles en ont encore besoin. Donc, du coup, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci à se faire. Après, pour les étudiants, ce que vous pouvez faire, c'est plutôt diriger vos candidatures vers les écoles, vers les entreprises partenaires de vos écoles, parce que si les entreprises vont recruter des stagiaires, elles vont favoriser du coup les candidats de leurs écoles partenaires. Et pour les jeunes diplômés, plutôt se diriger vers les réseaux alumni où il y a sûrement des réseaux à faire et des disponibilités. Après aussi, pour rester positif, parce que cette période, il ne faut pas oublier, c'est aussi un temps qui nous permet d'apprendre à nous connaître, de faire du développement personnel, parce que c'est important de développer ses soft skills, donc les compétences humaines. Il y a plusieurs moyens de faire ça, par exemple via les tests de personnalité, je pense par exemple à Assess First. Donc voilà pour le développement personnel. Et puis si vous voulez rester productif, il faut aussi prendre l'opportunité de faire des formations en ligne. Il y en a un panel important. Donc du coup, par exemple, Coursera, Cocoroé, Open Classroom, ils font plein de formations donc qui vous permettent de développer des compétences diverses. Et puis aussi tout ce qui est Duolingo, Babel pour les compétences linguistiques. Après, pour rester productif aussi, pas hésiter à faire de la veille, faire du benchmark pour bien montrer aux entreprises que pendant le confinement, vous êtes renseigné sur les innovations et ce qui se fait dans les autres entreprises pour pouvoir le démontrer en entretien, par exemple. Et en tout cas, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les recruteurs vont être attentifs sur ce qui vous a occupé, enfin ce qui a occupé les étudiants pendant le confinement. Donc, que ce soit faire du jardinage, du sport ou reprendre la maison ou cette formée en ligne, il faut quand même pouvoir justifier le temps qu'on a passé pendant ce confinement. Et reviendra là-dessus, mais tu parlais de tests de personnalité pour apprendre à se connaître. Chez Jobteaser, en ligne, vous pouvez retrouver le Marco qui permet de comprendre et d'analyser ses intérêts professionnels.
Il y avait une autre question, c'était de savoir si en cette période, il fallait en faire plus pour se distinguer. Donc, tu avais parlé de formation. Est-ce que, selon toi, il faut en faire plus ? Ben oui, parce qu'en fait, il y a moins d'offres et plus de candidats. Donc, du coup, il faut être super, super réactif. C'est ce qui va vous démarquer par rapport aux autres. Et les postes peuvent se clôturer assez rapidement. Donc, du coup, il faut vraiment être actif. Après, pour en faire plus, il y a la possibilité de créer des alertes sur les différents job boards. Donc, par exemple, sur LinkedIn ou Jobteaser ou Indeed, pour vraiment être à la page sur, ouais. Sur les opportunités qui s'ouvrent chaque jour. Donc, vraiment, à ce niveau-là, il faut être vraiment super réactif. Et tu m'as dit, quand il y a des postes qui nous intéressent dans une entreprise, bien qu'on soit à la recherche d'emploi, ça ne sert à rien de postuler à 10 postes différents, par exemple, dans une même boîte. C'est ça, parce qu'en fait, ça va être le même recruteur derrière. S'il voit que vous avez candidaté à 10 offres différentes, ça va décrédibiliser la candidature. Donc, vraiment se focaliser sur les annonces qui vous correspondent réellement et qui vous motivent réellement. Ouais. Et alors, comment être sûr aujourd'hui qu'une entreprise recrute pour imaginer notamment une candidature spontanée ? Bah en fait, les entreprises qui recrutent, par exemple, je pense à l'agro ou au secteur IT ou à le secteur pharmaceutique, la santé, ça, c'est des domaines qui se sont pas arrêtés pendant le confinement. Donc, ceux-là vont toujours être actifs. Après, un bon indicateur pour voir quelle entreprise recrute activement, c'est LinkedIn, parce qu'il vous permet de visualiser en fait les dates à laquelle les annonces ont été postées. Donc du coup, comme ça, vous pouvez voir quelle entreprise est activement en recherche de candidats. Et selon toi, il y a plus de puisque toi, tu es en RH, de stages ou d'alternances qui sont disponibles ? Alors, parce qu'on va favoriser majoritairement les stages. Les alternances, il y en aura toujours parce que c'est vraiment des profils qu'on a besoin en entreprise. Peut-être qu'il y en aura un petit peu moins, donc peut-être plutôt il y aura plus de stages à mon avis. Ouais. Et pour être sûr qu'une entreprise recrute, est-ce qu'on peut contacter, par exemple, un ou une RH pour simplement poser la question, vous demander s'il y a des offres qui vont paraître ou qui ont déjà paru ? Oui, bien sûr, ça peut montrer votre motivation. Après, c'est toujours mieux de postuler directement à une annonce plutôt que de contacter le RH. Mais par exemple, quand vous postulez à une annonce, si vous n'avez pas de retour de suite, alors là, n'hésitez pas à relancer le recruteur si vous avez accès à ses coordonnées LinkedIn ou par mail. Si vous pensez vraiment que vous correspondez à toutes les cases de l'annonce, alors n'hésitez pas à le relancer, ça va lui permettre de voir votre motivation pour le poste. Et on peut relancer le ou la RH au bout de combien de temps, selon toi ? Je dirais 10 jours. Ouais, 10 jours, ça paraît bien. Est-ce que tu recommandes dans cette période les candidatures spontanées ? Oui, bien sûr, il faut en faire. Maintenant, vaut mieux attendre une annonce pour postuler. Ouais. Est-ce que pour toi, bon, cette question, on la devine déjà, mais est-ce qu'il faut attendre que les entreprises nous contactent ou est-ce qu'il faut continuer de postuler ? Non, il faut continuer de postuler. Après, comme je dis, relancer après 10 jours si vous n'avez pas de retour. Mais il ne faut pas attendre que l'entreprise vous contacte. Comme je dis, il faut vraiment être actif et il faut chercher continuellement. Est-ce que le contexte change la façon qu'on a de postuler ? C'est-à-dire de façon habituelle, hein, on envoie nos coordonnées, on répond à l'annonce. Est-ce que ça change ça, notre façon de postuler avec ce qui se passe en ce moment ? Non, je pense que on utilise toujours cette manière-là parce que c'est la plus efficace. Après, on peut toujours faire jouer son réseau, évidemment aussi, pour essayer de trouver des opportunités. Donc, par exemple, quand on se met sur des groupes de discussion sur LinkedIn ou quand on suit des webinaires, contacter les formateurs ou après, il y a vraiment moyen de passer aussi autrement que par la candidature en ligne. Est-ce que tu peux nous dire, quand on envoie donc, son CV et qu'on répond à une offre par mail, par exemple, comment ça se passe ? Est-ce qu'on fait une brève description dans le mail ? Qu'est-ce qu'on écrit dans l'objet ? Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les bases quand on répond à une annonce ? Ben, c'est un peu comme sur Jobteaser, vous proposez les lettres de motivation assez courtes. Donc, du coup, ça, c'est vrai qu'on favorise parce que les longues lettres de motivation, j'avoue qu'on ne les lit pas. Donc, du coup, c'est vrai qu'aller droit au but directement, voilà ce que vous recherchez, ce qui vous intéresse dans l'entreprise, pourquoi ça vous intéresse et qu'est-ce que vous pourrez apporter à l'entreprise lors d'une expérience de stage ou d'alternance ou de premier emploi. Et tu m'avais dit, en objet, quand même, c'est important d'écrire le nom du poste parce qu'en tant qu'RH, on poste plusieurs annonces et donc c'est... Bien mettre les références, comme ça, on s'y retrouve tout de suite, parce que c'est vrai qu'un recruteur, il en poste plusieurs des annonces. Ouais. Et alors, sans transition, quel conseil est-ce que tu donnerais aux jeunes diplômés pour
sortir du lot, valoriser leur CV, mais aussi leur lettre de motivation? Ben, être réactif, donc ça je l'ai dit, être super réactif. Après, ce qui vous permet de sortir du lot, c'est un CV bien fait et original. Maintenant, il y a vraiment plein de manières de faire un chouette CV. Ça vraiment. Des exemples de CV originaux? Des exemples de CV originaux, j'en ai vu sous format de journal papier, j'en ai vu sous format vidéo, j'en ai vu sous format photo. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités, surtout quand on a un petit peu de créativité pour tout ce qui est en marketing, en communication. C'est important de se démarquer à ce niveau-là. Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un recruteur, il va mettre vraiment 3 secondes en moyenne pour lire un CV. Et son regard va se porter directement sur le centre de la feuille. Donc, par exemple, quand on a un CV, vraiment mettre les informations essentielles au milieu de la page, ça va pouvoir vraiment attirer le regard du recruteur et il va pouvoir passer un petit peu plus de temps sur votre CV. Donc, vraiment les informations que vous voulez que le recruteur capte, il faut les mettre au centre de la page. Voilà. Et on est d'accord qu'un CV, ça fait une page. Oui, on est d'accord. Complètement. Sur la lettre de motivation, qu'est-ce qu'on peut écrire là pour se démarquer tout de suite aujourd'hui? Pour se démarquer tout de suite aujourd'hui, on peut écrire, par exemple, comment on a optimisé notre temps pendant le confinement, simplement, et comment on en est venu à postuler à cette annonce-là, donc exactement avec vraiment les mots-clés de ce qui nous a intéressés, faire attention aussi aux différents projets en cours dans l'entreprise, donc montrer qu'on s'est renseigné sur l'entreprise et sur les entreprises concurrentes également, pour vraiment montrer qu'il y a une vraie recherche derrière. Et voilà vraiment vos motivations et bien remettre toutes vos informations, donc la période, la durée, l'école, etc. Ça, on le met dans l'entête, c'est ça, hein, le type de poste, le rythme qu'on recherche, etc. Est-ce que ce qu'on met dans la lettre de motivation, on l'a forcément mis dans le CV ou vraiment CV, lettre de motivation, c'est deux choses bien distinctes? C'est deux choses bien distinctes parce que dans la lettre de motivation, ça va vraiment justifier tout ce que vous avez écrit dans le CV, donc toutes vos expériences, pourquoi vous avez fait ce choix-là. Et ça va permettre d'avoir une meilleure visibilité sur votre parcours pour le recruteur. Donc, ça ne va pas vraiment être exactement les mêmes informations qui se retrouvent dans les deux. Sinon, ça ne sert à rien. On parlait de comment se distinguer, selon toi, là, en ce moment. Est-ce qu'il est préférable de faire une année d'études supplémentaires tout en continuant de postuler ou faut vraiment se concentrer sur le poste sur lequel on a envie de bosser? Après, moi, je conseillerais à ceux qui peuvent de continuer avec une année d'études ou avec un stage. Parce qu'en fait, si vous faites une année d'études supplémentaire, vous allez vous retrouver en concurrence avec ceux qui terminent l'année d'après. Donc, ouais. Du coup, il va y avoir plus de concurrence vu que tous ceux qui se sont retrouvés dans ce cas-là feront une année d'études en plus. Ouais. Donc, il y aura encore plus de personnes sur le marché. Donc, ce que vous conseillerez, c'est anticiper et faire plus ou moins 6 mois de stage pour vous retrouver en janvier, février à l'écoute du marché. Et là, vous allez être avant la vague de septembre. Et voilà, après, ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Après, les jeunes diplômés, ils mettent en moyenne 6 mois, 1 an pour trouver un stage. Donc, pourquoi pas trouver un premier emploi? Donc, pourquoi pas faire un stage en attendant et vous spécialiser dans un domaine spécifique? Parce que les entreprises, maintenant, elles se réinventent un peu. Elles ont de nouveaux besoins et donc, il faut avoir des nouvelles compétences. Donc, pourquoi pas essayer de trouver un stage qui puisse répondre aux compétences futures des entreprises? Donc, ça peut aussi être faire un graduate programme. Par exemple, il y a plein de gradués de programmes, je pense notamment Carrefour, EFAGE, ils en font pas mal pour des emplois spécifiques et pour les jeunes diplômés, ça peut vraiment être un accélérateur de carrière. Ou les VIE. Tu disais, si les étudiants ont l'opportunité de reprendre leurs études, bah why not, pourquoi pas? Parce qu'en fait, les experts le remportent toujours sur les généralistes. C'est ça, en fait, après les crises, c'est en général, on va chercher l'expertise plutôt que les personnes avec un profil plus généraliste. Donc, du coup, c'est vrai que se spécialiser dans un sujet, ça va être important. Mais c'est pour ça que ce sujet-là, il faut l'avoir bien réfléchi. Ouais. Et c'est voilà, en réfléchissant et en analysant, il faut adapter vraiment un esprit analytique en ce moment pour voir qu'est-ce qui va pouvoir répondre aux entreprises. Donc, oui, c'est sûr que à devenir expert, c'est une bonne chose, c'est un atout. C'est un bon moyen. Toujours sur comment optimiser son profil. Forcément, on pense à LinkedIn parce qu'on pense à l'avenir pro. Quel statut indiquer sur LinkedIn? Et il y a un étudiant qui nous demandait, j'ai entendu dire que le statut en recherche active ne faisait pas forcément bonne impression. Alors, qu'en est-il? Comment optimiser son profil LinkedIn? Premièrement, le mettre à jour, mettre une photo, épingler son CV, bien détailler les différentes missions qu'on a faites, travailler les compétences,
Demander aussi à ses anciens employeurs de faire des recommandations et bien choisir les mots-clés parce que c'est ce que le recruteur va voir directement quand il va faire la recherche d'un candidat. C'est les mots-clés qui vont ressortir. Donc, quand vous préparez votre profil, regardez sur les annonces, par exemple sur Indeed ou sur LinkedIn, les mots-clés qui ressortent le plus pour votre type de profil pour pouvoir bien les insérer dans votre profil LinkedIn. Et où est-ce qu'on les met, les mots-clés ? On peut les mettre dans les compétences ou bien dans la description de poste qu'on a fait précédemment, les formations, etc. Ok. Après, bah, pour optimiser LinkedIn au maximum, cultiver son réseau, c'est quand même la base de LinkedIn. Donc, vraiment suivre les influenceurs de votre domaine d'activité, suivre les groupes de votre domaine d'activité, engager des discussions, commenter, liker. Ça, vraiment, ça va permettre de vous donner une vraie visibilité. Et après, pour le statut à l'écoute du marché, il n'y a que les recruteurs qui ont accès à ce statut. Et quand on fait une recherche d'un candidat, on va favoriser les personnes qui sont à l'écoute du marché, logiquement. Donc, du coup, ce n'est pas du tout négatif de mettre à l'écoute du marché, pas du tout. Pour toi, c'est important d'avoir une photo sur LinkedIn ? Oui, il y a un espace pour la photo, donc faut la mettre. Ouais. Et faut faire une photo, évidemment. Oui, c'est mieux. Est-ce que tu peux nous donner tes recos pour savoir ce qu'il faut mettre dans le résumé qui arrive tout de suite dans l'en-tête de notre page LinkedIn ? Est-ce qu'il faut se décrire, parler un peu de ses passions, de ce qu'on recherche ? Qu'est-ce que tu recommandes ? Mettre ce qu'on recherche, ce qu'on a fait comme formation, le type de poste, le type de secteur d'activité qui vous intéresse, par exemple. Et voilà, la période et votre formation, ouais, c'est ça. Les informations, un résumé en fait de votre recherche. Je reviens sur les conseils que tu nous as donnés pour les détailler. Tu parlais de groupes de discussion accessibles sur LinkedIn. Alors, comment on fait pour trouver ces groupes de discussion ? Mais il y en a plein en fait. Il faut se rendre dans la barre de recherche en fait. Donc, il suffit de mettre. Je pense que c'est hashtag ou bien un groupe de discussion directement. Et vous trouvez du coup plein de groupes auxquels vous pouvez vous abonner pour pouvoir participer à des échanges des personnes expertes dans ce secteur-là. Et comment est-ce qu'on peut faire de la veille pour recevoir des notifications d'offres, etc. Tu nous as parlé de job board tout à l'heure. Tu peux nous en dire un peu plus ? En fait, pour faire de la veille, ce qui est intéressant, parce que LinkedIn, ce n'est pas vraiment un outil pour faire de la veille parce qu'il y a des offres, c'est sûr. Mais l'outil pour faire de la veille, je recommanderais plus Indeed parce que Indeed reprend vraiment toutes les offres présentes sur les sites carrières des entreprises. Donc là, vous avez vraiment une visibilité large sur tout ce qui se trouve sur le marché de l'emploi. Donc c'est pour moi la meilleure manière de faire de la veille. Après, évidemment, il y a LinkedIn, bien sûr, pour voir effectivement qui est encore en recherche active ou pas. Mais voilà, je conseillerais plutôt Indeed. Pour les jeunes diplômés et les étudiants, donc comme on peut le voir, je suis en télétravail, on nous demandait, est-ce qu'on doit accepter une offre d'emploi en télétravail et est-ce que cela peut avoir un impact négatif sur leur premier job ? Évidemment qu'il faut accepter une offre en télétravail parce qu'on attend de notre génération qu'elle soit agile. Mmh. Les recruteurs, ils ont besoin de générations avec de l'agilité et on a besoin de montrer qu'on sait s'adapter. Donc, c'est sûr qu'il faut le faire. Si on a l'opportunité de faire un job en télétravail, il faut le faire. Ça ne veut pas dire que l'entièreté du job sera en télétravail. Il y aura un accompagnement. Il y aura la possibilité d'être en contact avec ses équipes. On a tous les outils digitaux qui nous le permettent. Donc, il ne faut pas avoir peur du télétravail. Quand on commence, ce n'est vraiment pas un frein. Et puis, ça ne peut pas du tout avoir un impact négatif pour la suite. Ça montre vraiment la capacité d'adaptation, en fait. Donc, est-ce que le télétravail, ça va devenir la norme, selon toi ? Oui, a priori, maintenant, les entreprises ont compris qu'on pouvait quand même fonctionner en télétravail. Du coup, elles vont instaurer ça de manière beaucoup plus régulière. Donc, il faut de toute façon qu'on s'y prépare et qu'on s'y adapte. Donc, notre génération, on va faire du télétravail, à mon avis, bientôt, tout le temps. Et alors, si on est déjà en télétravail, comment aborder un changement de mission avec son manager ou carrément un changement de poste dans la même entreprise ? Donc si vous voulez changer de mission, comment on parle avec le manager ? En fait, dans les one-to-one, donc dans les meetings avec les managers, en fait, l'avantage des outils digitaux, quand on est en call avec notre manager, c'est que c'est straight to the point. Donc, du coup, il n'y a plus de. Enfin, voilà, on peut directement aller à l'essentiel pour expliquer qu'on a envie de changer de position, changer de mission. Et
En fait, en tant qu'alternant et stagiaire, on crée nos missions, il faut être acteur. Donc, les entreprises, elles attendent des stagiaires et des alternants, des personnes qui ont la enfin, qui sont capables de donner leur avis, de donner leur point de vue. Donc, du coup, elles vont attendre vraiment ça des stagiaires et alternants. Donc, il ne faut pas hésiter à parler de ça avec son manager, même si c'est via les digitaux, c'est la possibilité de le faire. Et tu dis via les outils digitaux, tu recommandes plutôt de faire par exemple un échange Skype, Zoom, Teams, etc. et d'en parler, je vais pas dire physiquement, mais tu vois, en tout cas se voir, ou alors envoyer un message quand on veut demander un changement de mission. Faut quand même voir la personne ou. Comme sujet que pour le faire par message. Je pense que c'est mieux si on le fait en face-to-face via caméra. C'est un petit peu délicat par message, il me semble. Est-ce qu'il y a des aspects positifs à changer complètement de poste dans une boîte, dans la même boîte, dans la boîte dans laquelle on est? Ouais, bien sûr, mais ça s'est fait. Hein. Pendant le confinement, il y a des personnes qui ont changé complètement de poste et ça permet de voir des nouvelles facettes de l'entreprise, ça permet de s'adapter et donc du coup, évidemment, c'est tout à fait positif. Et ma dernière question, Pauline, est-ce que tu pourrais nous donner tes dernières recos, ce que tu aurais envie de dire aux étudiants là pour clôturer tous tes bons conseils? Oui, alors donc. Moi, je vous dirais que ben, cette période de confinement, c'est une période qui nous permet de monter en compétences, que ce soit pro ou perso. Il faut en profiter, développement personnel ou formation, ou etc. C'est une période qui nous est offerte pour ça. Donc, il faut prendre l'opportunité qui se montre à nous. Après, comme conseil, il faut être analytique de la situation. Il faut vraiment analyser, faire de la veille pour pouvoir rebondir et être réactif. Aussi, je dirais, être actif et engagé via vos réseaux. Donc, cultiver vos réseaux, se renseigner. Quand vous préparez un entretien virtuel, préparez-le comme un entretien physique. C'est-à-dire, ne sortez pas de votre lit 2 secondes avant l'entretien. Vraiment, préparez l'entretien comme s'il allait être physique. Voilà, ne vous démoralisez pas. On est dans une période compliquée, certes, mais les entreprises continuent de recruter et continuent d'avancer. Elles se réinventent, elles s'innovent. Donc, il faut profiter de cette occasion aussi pour s'adapter à une nouvelle culture de travail et à un nouvel environnement. Donc, voilà mes conseils. En fait, ce n'était pas ma dernière question. J'aimerais te dire, pour les étudiants qui sont peut-être un peu démotivés là, en cette période, qui ne trouvent pas de stage, pas d'alternance, pas de premier emploi, est-ce que tu as des petits conseils pour les aider à peut-être se booster ou penser à des choses auxquelles ils n'auraient pas eux-mêmes pensé pour se motiver? Mais il faut vraiment pas se démotiver parce que c'est pas parce que les entreprises se sont arrêtées pendant quelques mois qu'elles s'arrêtent complètement. Donc, ne vous démotivez vraiment pas. Pour les stages alternance, ben, vraiment dirigez-vous vers les entreprises partenaires de vos écoles parce que elles comptent sur vous aussi. Donc, à ce niveau-là, c'est une cible facile pour candidater. Renseignez-vous aussi auprès de votre responsable relation entreprise. Il aura sûrement un réseau à vous proposer. Donc, ne vous démoralisez pas. Tout va bien si vous l'avez trouvé. Et pour compléter tout ce que vient de vous dire Pauline, vous pouvez vous rendre sur notre page YouTube ou Insta en tapant jobteaser_fr, il y a encore plein de conseils. Pauline, je te remercie beaucoup pour tous tes bons conseils. Je te souhaite une bonne continuation. Et encore une fois, merci d'avoir participé à ce live chez vous. Bon courage pour la suite. N'hésitez pas. Est-ce que c'est... Je vais proposer un truc, mais est-ce qu'ils ont des... S'ils ont des questions, ils peuvent t'écrire sur LinkedIn. Ouais, bien sûr. Là, tu te dis oui. Je te remercie beaucoup, Pauline. Je te souhaite une bonne continuation. À bientôt. Aussi. Salut tout le monde. Ciao.